Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif91, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve donc pour la deuxième partie du live que je suis en train de faire donc à la suite et pour la deuxième partie donc là de la vidéo donc on est pour les tout derniers sacrements donc il leur reste plus que deux donc on va aller faire ça tout de suite et on est parti. Alors t'as des t'as deux t'as dans l'état et dans l'état genre du dessous quoi. Ok, pourquoi il n'y a pas de musique là? Ça me paraît bizarre depuis tout à l'heure. Ah bon. Ok là, ouloulou, qu'est-ce que c'est que ça là? Tous ces téléporteurs. Attends, il y a un truc qui clash là, pourquoi j'ai plus aucune musique? Merde, où est l'option? Ah non, pourtant j'ai de la musique, bon bah je comprends pas. Ah merde, attendez. Hop, 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 je me suis planté de trucs. Allez, 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 vite, voilà, faut que je mette taillade. Bon alors toi, tu m'avais vénère, mon gars, je vais te botter le cul. Voilà, hop, on passe tout droit. Il y a des vieilles mythes à la con, hop. Putain, il y en a des trucs à défoncer pour avoir les téléporteurs, là, quand même. Allez hop, on va tout droit. Eh, toi tu te calmes, voilà. Et je crois pas, il m'a ralenti l'enfoiré. Voilà, tu dégages. Ouf, j'ai eu chaud. Toi, tu peux. Dégagé mon gars, je te botte le cul. Voilà, attendez, j'ai un... Oh merde, j'ai encore un truc de merde, hop. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Alors de souvenirs, ça dépend du pourcentage, du paramétrage, du pourcentage. Voilà, c'est bon, là je vais pouvoir trosser un petit peu. Ah excellent, je l'ai dit qu'à travers le mur, je trouve ça trop drôle. Allez hop, tu dégages, enfoiré. Allez, dégage, dégage. Alors du coup, on va lire le chat pendant que je suis en train de me taper contre lui. Alors sinon, tu peux m'expliquer aussi les tenues de PNG. Voilà. Les tenues de PNG, l'XP, exemple l'armure de Sarrazin. Voilà. Ah, elle est passée 79, tiens, c'est cool ça. Hop, c'est parfait, tu dégages. On a quasiment défoncé. Oh merde, attends, faut que j'aille défendre la zone bleue, vite. Ça me fait bizarre de plus avoir de musique là quand même. Yalla! Allez hop, toi tu dégages, parfait, voilà. C'est bon, j'ai niqué tout le monde, il me reste plus qu'un seul téléporteur à buter. Le voilà. Ah putain, il est de l'autre côté comme par hasard. Allez, viens voir mon père. Le mec il se prend même pas la tête quoi. Alors, du coup, je vais aller regarder un petit peu le chat pendant que les boss y reviennent. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'XP du Sarrazin pour la tenue soutien, c'est même plus comment j'ai débloqué cette tenue pour les PNJ. Moi, je te dis, laisse tomber les tenues de soutien, tout ce qui est les tenues pour les PNJ, genre les tenues de soutien, les tenues d'attaquant, les tenues de tout ce qui est BO, tu laisses tomber, ça sert à rien, c'est vraiment des tenues qui ne servent vraiment pas à grand chose, elles sont horribles en termes de stats, elles servent pas à grand chose, genre elles ont des stats, tout ce qu'il y a de plus bidon en fait, c'est vraiment... Putain, il est gros celui-là, là. Enfin, il était gros. En gros, ouais, là, laisse tomber ces tenues-là, faut vraiment que tu mettes ton propre stuff sur tes PNJ, parce que sinon, ces stuff-là sont vraiment bidons, ça sert pas à grand-chose. Par contre,
Ce que tu peux faire, c'est que tu peux genre donner des équipements assez stylés, hein, si tu les as montés assez haut en niveau. En tout cas, voilà, donc laisse tomber ce genre de truc, c'est pas très intéressant. Elles changent leur tenue, mais c'est tout, quoi. C'est pas fou, quoi. Alors, et aussi, c'est quoi les DLC à venir? Le DLC à venir, c'est sur les DLC payants. Donc, il y aura des DLC payants qui va arriver le 16 mai, d'ailleurs. Donc, il va y avoir une grosse mise à jour avec de nouveaux étages. J'ai vu qu'il va y avoir de nouveaux étages pour le... Je sais même pas si je peux le regarder un peu. Ouais, si. Il va y avoir de nouveaux étages, du coup, pour Linkrad. Ça, je sais que j'ai vu ça. Donc, ça va être assez sympa. Et il va y en avoir trois, comme ça. Attends, c'est vrai ou ils sont en train de se faire niquer, là, ces petits cons, hein? Allez, hop, dépêche-toi. Donc, après les deux autres, je sais pas ce qu'il va y avoir. Mais je sais qu'il va y avoir, donc, le premier étage. L'un des étages, ça sera une terre aride. Je sais qu'il va y avoir un autre aussi, j'ai vu. Ça sera une terre glaciale. Et le troisième, je crois que ce sera un truc assez sombre. Attendez, j'ai le site, au pire, je vais vous passer le site. Attendez, regardez, je vous passe le site. Voilà, ça. Donc, voilà, malheureusement. Attendez, je vais me téléporter de l'autre côté. Voilà. Alors, l'ordre de laquelle... Nanana. Ils sont vraiment nuls, ces petits cons. Ils arrivent pas à niquer un petit boss à la con comme ça, je regarde. Hop. Donc oui, comme je disais, vous pouvez vaincre le démon écarlate brune, voilà. Tac, 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 tac. Alors, voilà, vous devez donc... le deuxième chapitre offrira... Voilà, donc, voilà, c'est bien ça. Donc, une terre aride pour la première. Une terre enflammée, c'est bien ça. Ensuite, un chapitre, donc, dans le deuxième DLC, ça sera une atmosphère plus glaciale, donc je pense que ça sera un truc assez glacial. Et un troisième chapitre avec, ah oui, voilà, dans le dernier DLC qui vont sortir, il y aura deux nouveaux persos, ce sera Alice et Géo, ça me dit rien du tout, ces deux-là. Attendez, je vais aller regarder sur Sword Art Online, peut-être on les a déjà vus sur d'autres DLC. Alors, je sens nul en te voyant jouer. mais non, t'inquiète. Mais là, c'est que les dons. Là, c'est que les sacrements de niveau 3, hein. C'est pas le boss le plus dur, hein. C'est vraiment des petits trucs à la con, ça. Enfoiré. Là, c'est pas encore les boss. Voilà. Toi, tu peux dégager, mon gars, ça c'est fait. Donc là, il va m'en rester deux autres à faire. Ouais, c'est les sacrements de niveau 3, ça. Oui, voilà, c'est ça que je disais. Donc, alors, attendez, Sword Art Online. Alice et Guillaume. On va aller voir ce que c'est que ces petits cons, là. Peut-être qu'ils sont déjà... Il y a peut-être déjà des photos qui tournent sur le serveur japonais, peut-être. Ah d'accord, c'est dans Alinisation. Ah d'accord, on va voir des personnages de Alinisation dans les prochains DLC. Ça c'est cool ça. Ok, c'est très intéressant alors. Allez hop, tu dégages. Donc on va voir des persos de Alinisation. Alors ça c'est vrai que ça déboîte. Alors Yo, dis-moi, ton katana complètement cheat, tu l'as où? Ça c'est pas un katana cheaté ça. Hein. Ça, c'est un katana légendaire de plus 9, en fait, ça suffit, quoi. Par contre, oui, j'ai le stuff qui va avec. C'est un stuff cheaté, ça. Mais le katana, ouais, non, tu peux l'avoir, le katana, assez facilement. Ah, ok, alors attendez, je regarde leur design, ils sont vraiment classe, quoi. Je me demande ce qu'ils vont foutre dans ce jeu, quand même. Comment qu'ils vont faire pour les introduire, mais... Haha! Allez hop, tu dégages. Ok, c'est bon, j'en suis à 30. On va botter le mec. On va botter le cul qui s'emballe. Hein. On passe par où? Par là. Et comme ça, je vais pouvoir m'acharner sur le boss final.
Alors, donc, tu me conseilles pour le début de faire une arme légendaire, mais pour le stuff, tu me conseilles d'aller vers où? Je sais qu'il y a un site qui existe, je sais plus le nom. En fait, qui référence toutes les stuff légendaires, en fait. Donc, du coup, ce sera plus facile pour toi de savoir ce que tu veux comme stuff, en fait. J'ai plus le lien, je sais que je l'ai mis dans une ancienne vidéo à moi. Au pire, attends, je vais finir le boss et je te passe le lien. Je finis ce boss. On va aller stuffer un petit peu. Hop. Hop. Voilà, hop, c'est parti. Hop, on déploie le katana. Voilà. C'est parti! Hop là, là, mon gars, je te défonce la queue. Hop. Voilà, moi, ce que j'en fais du boss légendaire. Aïe, 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 je l'ai tellement défoncé, j'adore, j'adore. Alors, du coup, moi, je suis à 4 armes légendaires, c'est pas ouf. Ouais, je dois en avoir 5 ou 6, moi, des armes légendaires. Mais c'est tout, hein, j'en ai pas plus que ça, quoi. Bon, ça, c'est du caca, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est du caca. Et ça... Bon, ça, c'est du caca, comme ça. Ouais, il était bidon, le boss. Il était bidon, ce boss. Faut dire que là, je suis à quoi, là? Je suis à 51 000 de DPS. Sauf si je mets les deux épées avec à une main, ça va être marrant, attends. Là, je suis à 70 000 de DPS. Donc là, ça va, tu vois. Alors, est-ce que je... Ça sert, le tableau? Je t'ai filé. Bah, bravo. Car j'ai surtout envie de faire taire un mec que je connais, qui se croit trop fort au jeu, et il dit que je suis trop nul. Bah, tu sais ce que tu fais? Au pire, invite-moi dans tes amis. S'il te plaît, juste fais-moi ce plaisir. Invite-moi dans tes amis. Et comme ça, moi, tu m'invites, et je lui montrerai c'est qui le patron. Vas-y, franchement, fais-moi ce plaisir, s'il te plaît. Juste pour moi. Tu m'invites, et moi, je lui montre c'est qui le patron. Surtout s'il est connecté, là, c'est à l'heure, là. Ah là là, mais là, tu me ferais kiffer de ouf, là. Ça serait trop drôle. Ok, donc là, on va laisser faire le dernier donjon. Il se trouve... Ici? Non, là? Dans les catacombes? Au pire! Alors, est-ce qu'il est là, le... Alors, attends, je connais pas du tout Cloître. Ça doit être celui-là, là. Le Draco, machin. Donc là, on est dans le dernier truc. Alors, vendredi, si tu veux, j'ai pas accès à la console la semaine. Désolé, je suis en BTS électro. Ah, bah, pas de soucis, t'inquiète, hein, pas de soucis. J'attendrai vendredi pour... Au pire, si tu veux, moi-même, je peux carrément te filer mon stuff, hein. Tout le stuff que j'ai, je peux te le filer, hein. Y a pas de soucis. Attends, par contre, j'aime pas du tout ce style. Hop, je préfère le style katana qui a beaucoup plus de DPS. Voilà, donc... Qu'est-ce que c'est? Ça se téléporte, ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Ah oui, d'accord, il y a carrément une histoire de téléportation et tout, là. Oh là là! Là, si je vais là, ça fait où? Ouais, d'accord. Oula, ça m'a l'air compliqué, celui-là. Hein. Eh, hey, mais mec, t'es sérieux, là? Ah, voilà, j'ai réussi. Oh, salut, toi. Bon, je reviendrai après. J'ai pas mes bonus. Bien, t'inquiète pas, je vais revenir après, ma couille. Oh, putain, un labyrinthe. Ouais, j'avoue que il est pas con... Enfin, il est compliqué, ce labyrinthe. Ça va où, ça?
Ok, ça me ramène. Ah si, c'est bon, j'y suis à l'emplacement. Voilà, ça c'est fait. Hop là! Merde, j'ai raté. Voilà. Ça, c'est pas un labyrinthe d'enculé, quand même, mine de rien. Hop, si je prends celui-là, ça me ramène où? Wouah, le truc de ouf, il y a des téléporteurs de partout. Je suis où, là? Ah, d'accord, je suis revenu ici. Donc là, si je comprends bien, si je vais là, ça me ramène de l'autre côté. Hop, voilà, là-bas. Donc là, on va prendre celui-ci. Alors, j'ai envie de le faire, même sinon... Attends, j'ai pas envie de... J'ai pas compris, attends une seconde. Je vais aller buter vite fait celui-là, parce que là, je suis dans la merde, sinon... Allez, vite, 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 il faut que je me recule en arrière, vite. Le bleu, il va crever, putain. Allez, dépêche-toi, j'ai enfin ce blason. Chou, 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 c'est bon, hop, vite, vite, vite. Allez, allez, il va crever, putain, dépêche-toi. Allez, putain, vite, vite, vite. Allez, je prends celui-là. Allez, 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 hop, hop, hop. Non, je suis où là? Non, c'est pas celui-là que je voulais. Putain de merde, c'est pas celui-là. Vite, on va reprendre celui-là. Oh putain, je suis revenu là. Non! Merde, je crois que j'ai pas pris le bon. Putain, j'ai pas pris le bon. Non, 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 il va crever. Arrête, arrête. C'est bon, maintenant je sais qu'il faut que je prenne celui de gauche. Oh putain. Mec, chou là. Non, 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 non. Et tu m'emmènes encore au truc rouge, je vais péter un câble. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh putain, j'ai eu peur. Aïe 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 aïe, j'ai eu chaud sa mère. Ok, donc là on va pouvoir reprendre celui-là. Maintenant, go boss pour toi. Comment ça le go boss? Oh non, c'est après ça. Donc là, on va aller chercher le coffre rouge. Alors, ménage que tu as fait violent. Aïe aïe, mais j'ai eu du mal hein, parce que le coup du téléporteur, c'est pas évident quand même. Donc là, on va aller chercher le coffre rouge. C'était celui-là que j'avais pris tout à l'heure, je crois. Par contre, c'est bizarre. Pourquoi j'ai plus de musique du tout, là? Attends, je vais faire un truc. Option. Bon, c'est tout fade. Hop. Ok, ça c'est bon. On va aller chercher le petit coffre jaune. Alors, il est dur ou pas le premier boss? Ah non, le premier, il est ridicule, t'inquiète. Alors, vous pensez qu'ils vont monter la limite de niveau? Je pense, oui, je pense. Je pense qu'ils la montent, ils la mettront jusqu'à 100. Pour moi, ils la monteront jusqu'à 100. Pour moi, ça fait aucun doute là-dessus. Voilà. Tu es gros, toi. Voilà, nickel. Il y a le petit boss ici. Parfait. Alors, honnêtement, tu dis à tout le monde de focus les jambes et c'est terminé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, tu veux dire oui, tu vois, c'est vrai que tu focus tout le monde avec les jambes, oui. Merde, je crois que je me suis planté de combinaison. Peut-être que non. Ah, c'est bon, je me suis pas planté. Ok, donc là, ils en sont en train d'attaquer le bleu. On va aller défendre le bleu.
Ah, j'aime pas ces genres de donjons comme ça, là. Il est bien plus compliqué, celui-là. Déjà, tout seul, j'ai eu chaud, hein, la vache. C'est celui-là. Oui, c'est bon. Voilà. Hop, soignez-vous, les gars. Et vous, là, soignez-vous, là. Et merde, 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 d'accord, il faut que je retourne sur le verre, vite, vite, vite. Allez, allez, allez. D'accord, je suis revenu en arrière, en fait. C'est pas grave, c'est pas plus mal. Alors, tu vois le boss que Sky... Le vert, c'est ici. Alors que Sky pue depuis tout à l'heure, c'est le même que c'est le plus gros. Oui, c'est bon, hop. Allez hop, je reviens en arrière, vite, vite, vite. Hop, le vert, le bleu, il se fait attaquer. C'est pas ma guerre, mais tout à fait mon colonel. Allez, dépêche. Il me restera qu'une seule fois à faire le vert. Et je pourrai m'attaquer au boss final et j'aurai fini enfin tout le DLC. Ce sera fini intégralement. J'aurai fait tout ce que je voulais. C'est encore à gauche, voilà. Alors, et tu penses quoi du stuff de... Du DLC Sky... Ouais, non, il est pas terrible. Vraiment, le stuff, il pue la défaite. Hein. En difficile, bah, c'est pas très compliqué, je t'avouerai. Merde, le rouge. Vite, vite, vite. Hop, ici. Allez, 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 on se dépêche. Non, franchement, il y a des stuffs qui sont bien, les verts. Mais sinon, c'est pas... Il y a qu'un seul vert, d'ailleurs, qui est bien. C'est mieux de stuff... Oui, voilà, les stuffs du sacrément, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Tout à fait. Ah, c'est celui de gauche, normalement. Ouais, je sais pas combien de fois je me téléporte, mais c'est un truc de ouf, quand même. Allez hop, te dégage toi. Parfait. On n'a plus qu'à aller buter le dernier boss et c'est fini. Ok, je suis où? Ah d'accord, je suis revenu là. C'est bon, le bleu, tu peux te faire attaquer, je vais avoir mon triple S. Fufu, tu penses quoi du stuff du dieu obscur du prochain DLC? Je sais pas, j'ai jamais vu le stuff, je pourrais pas te dire. Hop, hop, hop. Alors attendez, hop, on va faire ça. C'est parfait. Attendez, j'ai oublié de faire un truc, merde. Voilà. Voilà, et c'est parti. J'enchaîne les skills connect, mon gars, c'est un truc de taré. C'est quoi ça? Ouah, il m'a fait quoi là? Pardon? Ok, d'accord. J'ai pas compris là, il vient me mettre quoi là? C'est quoi ce délire? Dis-moi si tu as l'impression, mais tu vas hyper vite dans les donjons. Oui, oui, c'est parce que je dash assez souvent en fait. J'y reviens pas, le mec il m'a déboîté, mais de ouf quoi!
Comment ça? Mais je l'ai pas fini. Ah non, c'est celui-là que j'ai pas fini. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui m'a mis? Eh, mais c'était un scandale, hein? Ah non, 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 bah là, je vais me rebeller. Attends, 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 ça va pas aller. Ah, rien à branler du triple S, je vais le défoncer direct. C'est bon, quoi? C'est quoi ce qu'il vient de me mettre, là? Je suis un peu choqué, là, quand même. En plus, je suis dégoûté, mais attends, mais il vient de faire un truc à la con. Il m'a buté, ma meuf. Non, 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 c'est pas possible, il a buté. Ah ouais, il l'a buté, l'enfoiré. Ah bah, salut à toi, Excello. Oh, l'enfoiré, j'y crois pas. Il a tué mon meilleur perso de craft, quoi, j'y crois pas. L'espèce de crapule. Ok, alors toi, mon gars, c'est même pas la peine. Je te défonce. Hop, hop, hop. Alors là, mon gars, c'est mort, je te défonce. Ok, ça c'est bon. Allez hop hop hop. Là tu m'as saoulé mon gars, c'est mort, je te finis. Allez, vas-y, 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 je te finis avant que tu me tues, là. Voilà, enfoiré, va, putain! Le mec, il s'énerve trop, là, ça y est, je t'ai enculé, putain de merde, quoi. Oh là là, juste pour savoir, il faut être à peu près quel level pour réussir le premier boss? Bah, c'est pas très compliqué, hein, franchement. Ah, bah, du coup, j'ai eu un triple S, quand même. Force, régénération, ouais, c'est de la merde. Oh bah voilà, du coup j'ai fini le DLC. C'est fini. J'ai enfin fini. Ouais, la vengeance, ouais, comme tu dis, ouais. Le mec il vient de m'humilier, quoi, c'est un scandale. Le mec il m'a mis une tarte, quoi. Alors que j'ai quand même 200 000 PV, le mec il m'a mis la fessée, quoi. Bon, il reste 20 secondes. Je vais voir s'il n'y a pas un événement ou une cinématique supplémentaire. On sait jamais. On va voir. Ok, alors. Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. Retourner au téléporteur, c'est bien ça. Donc on est parti pour aller voir la dernière cinématique du DLC. Téléporteur. J'ai bien envie de voir ce qu'il va me dire. Bravo, vous avez fini le jeu. C'est bien, continuez. Alors, bon, ça veut dire que j'ai complètement terminé l'invasion des sacrements. Je devrais rassembler tout le monde pour voir ce qui, où ce qu'ils en sont. Retourner à l'auberge, c'est parti. Dun, 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 dun. On va voir ça. Pour parler d'une invasion, c'est sacrément. C'est parti. Alors, j'ai la même armure, mais en rouge et plus faible. Je me dis que le coffre m'a arnaqué. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que la musique, elle est revenue. Oui. Alors, j'avais un peu peur que ça tourne mal, mais cette fois, mais. Finalement, on s'en est bien tiré. Oui, les développeurs n'auraient sûrement pas prévu qu'ils aident les PNJ à développer leur personnalité. Et comme on dit, en côtoyant ces PNJ, on s'est fait non seulement des alliés, mais aussi des ennemis, des amis. Ça me donne encore plus l'impression de se battre en équipe.
passé surtout notre temps à les protéger, mais maintenant ils se battent réellement à nos côtés. Je crois que ce point de vue vient du temps qu'on a passé à faire connaissance avec ces PNJ. Je me suis rendu compte qu'on... Je ne suis pas sûr de comprendre, mais je pense que la coopération est de la plus haute importance. J'ai pu énormément de choses, grâce à vous tous. Et votre aide à ma... Oui, c'est vrai. Vous savez, cette façon de jouer au jeu n'est qu'une des nombreuses possibilités qu'offre la réalité virtuelle. Pourquoi tu dis ça? Toi, tu l'as dit toi-même, cette fois, on s'est battu aux côtés des PNJ. Imagine que cette philosophie ne se résume pas à se progresser dans le jeu, ça pourrait changer la réalité virtuelle. Un monde construit par les joueurs et les PNJ travaillant main dans la main. Ça ne ressemble pas bien, mais imagine dans le monde, c'est incroyable. Alors, le stuff intéressant, c'est à partir du Sacrement 3 ou du 2, il y a des trucs intéressants. À partir du 2, je te dirais même que les Sacrements numéro 2 sont plus intéressants que ceux du 3. Hein. N'exagérons en rien, mais j'avoue que c'est un monde que j'aimerais bien voir un jour. On a peut-être déjà posé les fondations. Oui. Ok, dans ce cas, je crois qu'on a à peu près tout ce qui pouvait. Mais bon, on est encore loin d'avoir fini le jeu. On n'a fait que commencer quand même. Absolument, il y a des tas de choses à découvrir. Carrément. Tellement à fond ce jeu. Yosh! On va continuer à explorer le jeu tous ensemble. Yeah! Bon, là, ils auraient dû mettre un peu des personnes qui parlent quand même. C'est dommage. Bon, bah voilà, ça c'est terminé. Pourquoi j'ai mis ça? Alors, comment débloquer ton SSS? Moi j'ai eu max. C'est pareil ou non? Non, en fait, au maximum, il y a vraiment le triple S, en fait. Et le triple S se débloque, en gros... en fait, je vais t'expliquer. Donc, dans les sacrements de niveau 3, il y a des personnes, donc des monstres qui attaquent les zones, en fait. Et il faut que tu ailles défendre chaque zone au moins deux fois de ces fameux monstres. Et une fois que c'est fait, tu peux buter le boss final et avoir le triple S, quoi. Bon, bah voilà, du coup, le DLC est fini. C'est terminé, donc, sur cette nouvelle aventure. Et on va pouvoir... je pense que je continuerai avec les DLC payants qui suivront. Donc, en tout cas, voilà, hein. Alors du coup, merci d'avoir regardé ce petit live et aussi cet épisode avec moi. Dis-moi, c'est possible de te faire un don? C'est dur de trouver un youtubeur et savoir faire. Oui, si, c'est possible. Oui, j'ai ouvert une page Tipeee, si jamais t'as envie. Hein. Putain, désolé, j'ai du chemin à faire. Bon, non, mais t'inquiète. Bah si jamais, ouais, j'ai ouvert une petite page Tipeee. Hein, si jamais t'as envie de me faire un petit don, je ne serai pas contre. En même temps, je dirais pas non, je pense que personne dirait non, on va dire. Alors, j'ai eu un problème. À chaque fois que je pète un genou, il arrête pas de se fuir. Ah oui, parce qu'en fait, Homo, il faut niquer les deux genoux en même temps, en fait. Il faut faire les deux genoux en même temps. Sinon, quand tu fais un genou et ensuite l'autre, il se relève, en fait, automatiquement. Donc, c'est pour ça, en fait. Bon, du coup... Du coup, on va s'arrêter ici sur ce petit DLC, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouvera dans la suite des aventures sur SAO avec le DLC payant. Je vous retrouve dans les prochains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à vous abonner et on se retrouvera dans la suite. Je vous dis donc à plus tout le monde.